Salut à tous les amis, c'est Robin du DS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Quest. Je commence direct à avoir des problèmes de prononciation. Et donc eh bien aujourd'hui nous allons continuer et probablement terminer le palais de l'enfer. Voilà. Je m'en vais directement vers notre prochaine destination. Car c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. Et la première fois que j'avais essayé, c'était juste après la dernière fois. Le problème étant que j'étais level 40, je crois, à peu près. Et que je me suis fait détruire la tête par le boss qu'on va affronter. Et donc ça m'a énervé. Donc du coup j'ai monté toute l'équipe de 10 niveaux. Voilà. J'y ai passé je sais plus combien de temps, mais en tout cas maintenant c'est fait. Hop là, cette fois-ci je compte bien le tuer. Par contre ça c'était un peu con de ma part. On va peut-être revenir se soigner en fait. Demi-tour. Alors attendez, on va déjà essayer de battre celui-là. Voilà, parfait. Alors, on va refaire demi-tour rapidement. On va essayer de se soigner avant d'attaquer parce qu'il est quand même chaud. Il faut se le dire, il est chaud. Hop. Bon, on va essayer de ne pas en rencontrer cette fois-ci. Alors, hop. Et donc, ce let's play, je pense, est sur la fin. Ouais, vous l'aurez remarqué. Ça fait quelques... Pinaise. Ça fait 2-3 épisodes que je vous le dis, mais ce let's play va bientôt prendre fin. Ça fait déjà quand même pas mal d'épisodes. Ça a battu, je crois, facilement le record de Pokémon de mon premier let's play. En même temps, c'est le seul que... Ah non, c'est mon premier let's play que j'ai fini. Et donc, les épisodes, il y en a eu beaucoup plus sur Dragon Quest. Mais en même temps, c'est normal, Dragon Quest est un jeu beaucoup plus long que Pokémon. Et donc, nous allons nous affronter contre cette espèce de chat. Les deux autres ont soufflé la chandelle. Imbécile, je suis le dernier du trio Micmac, le général MacLeo pour vous servir. Derrière cette porte se trouve le trône de notre miaurifique souverain, le roi Gauvin de la maison de l'enfer. Et il est hors de question que je vous laisse passer. Préparez-vous à succomber. Alors, donc, ce monsieur, on va essayer de le gérer. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire en... Je vais faire ça, je vais le faire sur moi-même parce que si jamais Salomé meurt, comment vous dire que ça va très très mal se passer. Allez, boum, direct, coup critique, 370 dans ta face, allez, allez, allez. Ça c'est moins drôle. Ok. Bon, au moins c'est déjà ça. Et il a raté. Bon, alors si ça commence comme ça, ça va pas super bien se passer. On va claquer les multi-soins direct. On va pas se poser de questions. Ah, pas mal. J'ai eu peur qu'il one-shot mon Astrom là et on aurait été sérieusement dans le pétrin s'il l'avait fait, mais bon, tout va bien, on a toute notre vie et Ursula arrête de rater, parce que là ça va pas le faire, si tu veux. Alors moi c'est pas que je t'aime pas, mais juste arrête de rater quoi. Il fait très très mal Astrom hein, quand même, hein. Même en coup normal, aïe. Et oui, donc j'ai appris certains sorts aussi.
avec Salomé notamment, j'ai appris quelque chose que je vais utiliser tout de suite, c'est-à-dire les soins complets. Je vais faire sur mon héros. C'est peut-être un peu du gaspillage, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Normalement, ça devrait tenir. Et pour Astrom, j'ai eu ça que je vais faire pendant 2-3 tours. En fait, c'est comme un accompagnement, mais sur Astrom uniquement. Et toi, j'ai eu le sifflet qui permet de faire focus l'adversaire, que je vais peut-être faire d'ailleurs. Parce que Ursula étant la personne qui a le plus de défense dans l'équipe, ça serait cool qu'il focus Ursula uniquement. Aïe. Et ça aussi fait le multilam. Ça ne lui a fait aucun effet. Alors on va continuer notre tension et toi tu vas faire un DP humain. Non pas du tout. Multicoup. 4. C'est combien le tonnerre? Vas-y, va tenter un multicoup toi. Bim, tu montes à 20. Ah, 211. Ok. Bon, ça va qu'elle a de la défense, hein, parce que sinon... Ok. Hop. D'accord, très bien. Toi, tu vas faire un petit soin complet sur Damien celui-là. Toi, tu vas continuer ta petite tension pendant un tour. Voilà, 50, parfait. Ah, raté. Ah ah, est-ce qu'il est... Ok, bon, il a foiré ses deux attaques. C'est plutôt bien pour nous. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai raté le 4ème coup. Allez, on retente. Hop. Alors... Bonsoir. 8 sorties, hein, maintenant. Parce que j'ai rien appris. J'ai rien appris. Stimulation. Soins avancés. J'aurais peut-être dû faire les soins avancés plutôt que les soins complets. Je sais pas trop quoi faire avec elle. Bon, vous savez quoi, on va continuer la protection. Et toi tu vas attaquer. Et toi tu vas continuer tes multi-coups. Et bim, 490. T'aurais fait un coup critique, j'aurais beaucoup rigolé. Raté. Aïe. Multicoup, allez. Ah, c'est bon, on l'a eu. Bon, en fait, il était nul, ce boss. Je comprends pas pourquoi j'avais galéré. Ok, un fleuret anti-magique. Ça, ça peut être cool. Ciel, vous êtes doué. Je suis impressionné. Quelle surprise de rencontre... surprise, plutôt. De rencontrer un être plus tard que moi. Bah, on t'a défoncé, mec. C'est un honneur de tirer ma révérence en ayant affronté un adversaire comme vous. Parfait. Tout simplement parfait. Majesté, j'espère que vous me pardonnerez de ne pas rester plus longtemps à vos côtés. J'ai été totalement inutile. Oh, quel dommage. Je t'en veux très fortement et pour la peine, on va se soigner. Donc vous pouvez voir aussi la quantité astronomique d'argent que j'ai gagné. Voilà. C'est dû à mon entraînement intensif. Hein, je vous promets, je n'ai pas tout le temps. Hop. Et je suis resté uniquement ici, j'aurais pu aller... Akila, viens ici, donne-moi cette fille. Comment ça, donne-moi cette fille déjà. Très bien, demain, de la maison, je vais te taper, toi. Vous perdrez la vie. Ah ah. C'était donc ça, bien bien, je suppose que cela signifie que ce ne sont pas les vraies filles. Ah ah. Les figues sont les fruits sacrés de l'observatoire. S'en servir comme d'une vulgaire marchandise serait un sacrilège. J'ai faim de trahir les miens, ma terre, mon élève, tout cela pour parvenir jusqu'à vous. Oh, quel plan ingénieux. Malheureusement, le prix à payer pour l'immense déception que je viens d'éprouver sera ta vie. Il a peur. C'est triste.
Non, je vous vaincrai et je libérerai votre prisonnier, vil canaille. Oh! Magnifique attaque éclair. Attention, on a Pikachu parmi nous. C'est vraiment tout ce que tu as trouvé. Je dois dire que je suis un peu déçu. Ah, bim! Je ne suis même pas sûr que tu feras un repas correct pour Barbarus. Il n'est pourtant pas bien difficile. Et très honnêtement, mais si tu ne m'es d'aucune utilité, je ne vois pas pourquoi je te garderai en vie. Et bim, éclair rouge, allez. Oulala, la méga flamme, oulala, méga flamme, oulala. Au revoir, Akila. Bon, on va peut-être aller sauver notre maître, même si bon, il nous a fait un coup bâtard. On va peut-être aller le sauver. Est-ce une apparition? Une idée? Est-ce bien toi? Qu'est-ce qui t'amène dans cet endroit maudit? Bah, je vais péter la gueule à celui qui t'a pété la gueule. Je vois pas en quoi c'est un problème. Mais qu'est-ce donc? Encore une vermine sortie dans le saison. Pour parvenir jusqu'ici, tu as dû vaincre le trio Micmac. Ouais, c'était très compliqué. Félicitations, je ne retiendrai pas mes coups dans ce cas. Viens par ici, tu vas recevoir la royale raclée que tu mérites. Mais oui, c'est ça. Amène-toi, voir si t'es un homme. Alors, bon, on s'est pas soigné, je sais pas si c'était pas une erreur. On va bien voir. On va pas pouvoir utiliser Ursula au maximum de ses compétences, c'est pas grave, Astrom est derrière. On va protéger Salomé en priorité. Ah, oh, merde. Ça c'est con par contre. Bon, ok, l'attention ça marchera pas. Bon bah il faut y aller au charbon alors. Hop. On va quand même tenter une tension, voir si ça passe. Juste pour lui faire gâcher son tour en utilisant une perturbonde. Ça serait cool mais malheureusement je ne pense pas. Ouais. Hop. Méga flamme. Oh là là là. Aïe aïe aïe, la méga flamme. Bon ça va, c'est pas ouf. Ok. Bon, Ursula malheureusement n'a plus de points. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour la suite du combat. Astrom, tu vas attaquer, un tour de tension, ça suffit. Tu as pas. Fidernes, non, c'est pas trop une bête. C'est merde, bien non. Bon bah tant pis, tu vas attaquer normalement. Super. Aïe. Ah, c'est pas cool. Ah ah. Astrom, tu m'intéresses là. Alors. Et bim, 120. Bon, on fait quand même pas mal de dégâts, hein. Vous le remarquerez. En même temps, là, je suis peut-être monté un peu trop dans les niveaux. Enfin. Rugissement puissant, Fushoda. Allez bim, t'es transhyper et je monte en 5 de temps. 6. Ah je. Merci pour les points. Tiens. Oh il est tétanisé par la peur. Oh là là là, il lance la boule qui est sur mon combattant. Aïe, c'est horrible. Aïe, c'est terrible. Mais en fait, pas tant que ça. Ok, attaque. L'autre était bien plus fort, hein. Franchement tu me déçois. Bim 172. Tac, 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 tac. Aïe. Oui. Allez, multi-soin. C'est vraiment très utile le multi-soin, il n'y a pas à dire, c'est... L'attaque, la technique de soin la plus utile du jeu, très clairement. Enfin, après il y a le omni-soin mais bon, c'est vraiment quand on est dans la merde. Et je ne pense pas de toute façon que je puisse l'avoir. Pour l'avoir il faudrait que je sois un sage qui est une classe que je n'ai pas débloquée. Et par contre celui-là c'est pris pas mal cher avec le méga flamme. Bon, en attendant je lui récupère mes points. Ok. Oh ouais d'accord. Bon ben ça va, il était facile lui aussi. Alors, il me déçoit, dis-moi.
insistance avec laquelle tu t'attaques au glorieux empire que l'enfer représente pour nous une insulte, en es-tu conscient? Je vais avoir recours à la manière forte pour que tu comprennes, mais je te préviens, ça risque de ne pas te plaire. Ah, je me disais aussi. Je te trouvais un peu faible. Bon, par contre, va falloir que quelqu'un me soigne là. Parce que comment dire que je suis à sec? Grargue. D'accord. Est-ce que ça m'a soigné? Eh ben pas du tout. Donc va falloir qu'on fasse très attention. On va faire un soin complet. Toi tu vas augmenter ta tension. On va voir s'il a toujours la perturbonde. Et je sais pas ce que j'espérais. Hop. 5. Ok, maintenant il a un bouclier, donc sa défense a augmenté. Et ouais, d'accord. Rien ne se passe. Full vie et presque full vie. Allez, bim, direct. J'ai même pas besoin de la... Même pas besoin du tonnerre divin. C'est bien. On va continuer la tension. On va espérer que... Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. On va espérer qu'il a pas de perturbonde. Ça m'étonnerait malheureusement. Mais bon, ça lui fera 5 et 1 tour au moins. Ok, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il en est. Il y a plein... Aïe. Ce qui est bien, c'est qu'il a changé de forme, mais sa défense est toujours la même. Donc au final, bon allez Astrom, tu vas me faire le plaisir d'attaquer. Je vais pas risquer plus longtemps. Un. Waouh, chien. Ah, il l'a bien inventé, mais trop tard. Ah, ah, ah. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas besoin de soigner. On va aller essayer de récupérer quelques PM. On va attaquer normalement. Hop, 113. Oui. Aïe, 61. Aïe, 109. Alors, tu vas me faire le plaisir de faire un petit multi-soin. Tu vas tenter l'attention. Bon, je tente l'attention. Ouais. Ah, il a bloqué le premier coup. Aïe. Ça va finir par faire mal. Et sur celui-là qui galère un petit peu là durant ce combat. Oh là là. Bon alors, Ursula, tu vas prendre un soin avancé parce que je le sens clairement pas. Non, en fait, tu vas prendre qu'un soin partiel pour l'instant et puis après tu prends un soin avancé parce que là j'ai peur que tu ne meurs. En espérant qu'il attaque avant. Et j'aurais dû faire un pas. Bon, c'est déjà ça, 123. On a fait une petite économie de PM. Cependant. On peut faire les soins avancés. Alors, c'est tendu. Okay. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il a plus de vie quand même. Hein. D'accord, c'est bien. Maintenant, c'est moi qui attaque en premier. Allez chercher la logique. Waouh, c'est cool. De toute façon, j'utilise pas le sort. Aïe. Je croyais que mon bouclier blanc était censé me protéger de ce genre d'attaque. Alors, on continue l'attaque du faucon. Toi, tu vas faire un petit soin partiel sur moi-même. Attaque. Je sais pas combien de temps il va résister encore, mais... vu ce qu'on lui met, normalement... Aïe. Ah, c'est parce qu'elle a pas de bouclier, c'est pour ça qu'elle prend cher au niveau des attaques. Et si elle a un bouclier, pourquoi je sais pas. Là. Non, peut-être qu'elle prend plus de dégâts magiques, c'est peut-être par ça que là. C'est... Je pense que ça vient de là.
Oui, parfait. Bon, on a battu le troisième boss. Voilà, niveau 52, parfait. Un sceptre de l'enfer. Génial. Non, ah, je meurs. Tout ce chemin parcouru au nom du DS. J'ai faim d'obéir à Gauvin dans l'espoir qu'il libère les Célestiens. Les Célestéliens. Célestéliens, pardon. Moi, qu'il tenait prisonnier. J'étais trop faible. Mais je n'ai pas honte de mes actions. J'ai fait ce que je pensais être juste. Mon seul regret est d'avoir dû te décevoir. Tu as dépassé tous mes espoirs. Tu es devenu très fort. Premier DS, tu. Oui, je. Oh. Oh non, quel dommage. Ah, tu croyais vraiment finir si facilement avec Gauvin dans les eaux de l'enfer. Ah, Romy DS, tu l'as. Sale crapule. Ah, regarde. Tu n'as rien, Romy DS. Non, il s'est sacrifié pour nous. Loué soit-il, mon voyage s'achève ici. Tu dois en finir, tu dois libérer les Célestiens. Libère mon maître. Ne fais pas cette tête, mon village, tu as fait tout ce qui était possible. Pour commencer, tu as battu le chef des méchants, tout le monde a sauté de joie quand on a ce qu'on pourra parler. Bon, écoute, ce n'est pas le moment de rester là, le moral dans les soquettes. Secoue-toi, on a les Célestiens à sauver. Ils sont probablement retenus quelque part dans ce palais, il faut les trouver, olé, allez, au cœur. Allez, parti. Moi je suis chaud, on va aller les retrouver avant la fin de cet épisode. Peut-être pas d'ailleurs. Mais juste avant, on va faire un petit point arme. Parce que voilà, j'ai eu cela. J'ai eu ceci. Alors, la lame du faucon, c'est bien. Cependant. Cependant, mon héros est un peu faible. Donc je pense que je vais plutôt vous mettre ça. Non, non, je vais garder la lame du faucon. Enfin, on le jouera soutien à la fin, c'est pas très très grave. Bon, alors toi, par contre, je te donne ça. Clairement, je te donne ça. Voilà, parfait. Donc, après, j'ai un arc, mais il n'y a personne qui joue à l'arc. Et donc, voilà. Bon, et eh bien, très bien. Donc voilà, on aura battu les méchants. On a fait 3 boss aujourd'hui. Non, 3, non, 2. On a fait 2 boss. Enfin, 3 si on compte la deuxième forme. Mais en attendant, je pense qu'on s'est bien battu aujourd'hui. Ah, parfait, les gars. Mais attendez pas, je vais me. Une médaille, pardon. On va descendre. Oh. Ok, bon, je crois que c'est assez clair. Je pense qu'on connaît notre prochaine destination. Et oui, la porte qui était scellée quelques minutes, enfin au début de la vidéo, que vous avez pu entreapercevoir parce que j'étais pas pressé, mais bon, j'ai très très vite tracé. Donc, en fait, vous avez peut-être même pas pu la voir. Donc en fait, ici, il y avait une porte qu'on ne pouvait pas aller. Et donc, eh bien, en fait. Elle se déverrouille comme ça. J'ai pas le truc qui me permet de. Pas du tout. C'est quoi ça? D'accord, on s'en fout. On va d'abord aller se soigner avant d'aller voir ce qu'il se passe au niveau. Oh, regardez! Un monsieur. PV et les PM sont entièrement restaurés. Parfait. Bon, et bien, les amis, on va s'arrêter en allant parler à ce monsieur. Et là. Aïe, oui, aïe, oui, aïe, oui. Ça fait assez mal. Salut! La défaite du roi Gauvin à la libération de la maison de Clanfer a libéré le palais de l'enfer d'une terrible malédiction. Mais plus loin, dans le donjon fermé depuis si longtemps, existe un péril encore plus inquiétant. Je prierai pour vous, mon enfant, afin que vous surviviez aux épreuves qui vous attendent. Et donc voilà, c'est un point de sauvegarde et c'est ici que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Voilà. La prochaine fois, eh bien, je ne pense pas que nous arrivions au boss final.
On n'en est pas loin, cependant. Mais je ne pense pas qu'on y arrive, parce que c'est quand même assez loin. Mais bon, les amis, je vais vous laisser sur cet épisode. Et je vais vous dire à la prochaine, et à plus tout le monde. Allez, salut à tous.